Pour la recette de notre crème glacée, il va nous falloir 300 g de chocolat blanc, 200 g de crème liquide bien froide et une gousse de vanille. On va commencer par fondre notre vanille en deux. Voilà, je vais récupérer les graines que je vais mettre directement dans mon chocolat blanc. Voilà, je mets donc la gousse à l'intérieur et je vais mettre ça à fondre au micro-ondes à peu près 4 fois 10 secondes en surveillant. Voilà, notre chocolat a bien fondu. Notre vanille est en train d'infuser à l'intérieur. Là, je peux vous dire que ça sent déjà très très bon. Donc, je réserve ça de côté. Alors, on continue avec notre crème liquide. On va la monter en chantilly. Voilà, notre crème est bien montée. Alors maintenant, je vais incorporer donc mon chocolat blanc avec ma crème délicatement. Voilà, il faut veiller à ce que le chocolat blanc ne soit pas trop chaud. Et là, je vais mélanger donc délicatement mon chocolat blanc et ma crème fouettée. Là, je vais retirer ma gousse de vanille. Et je vais verser donc ma crème dans un récipient. Je vais filmer ma préparation et je vais mettre donc ma crème au congélateur pendant minimum 6 heures. Je viens de sortir ma crème glacée du congélateur. Voilà, donc on obtient une texture de glace. Là, on observe les grains de vanille. Et donc, je vais la laisser à température pendant une minute avant de la mettre en boule. Donc, on va commencer par faire nos boules. Donc là, on obtient vraiment un très très bon résultat. J'ai fait ma seconde boule. On a vraiment quelque chose de bien bien crémeux. Et là, je vais en faire une troisième. Donc voilà, ma recette est terminée. J'espère que vous allez la reproduire chez vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes encore plus faciles sur Cuisine Rapide.